Charu pela gogo mi vo mi no mujo. Parmi nous. Et la puissance de ta parole a paru pour nous. Et chacun est délivré aujourd'hui. Nous louons ton grand nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mau gaga de la sinelo, mau gaga de la sinelo, mau gaga de la sinelo, mau adeke me sofleo, dalele yo, ayo, ayo, ayo e. Mau gaga de la sinelo, mau
gaga ne la signalo dale ma o gaga ne la signalo ma wa deke ma soplio dale ayo 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 yo 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 ma wa de ke ma so yo ma o gaga de la signalo ma o gaga de la signalo ma o gaga de la signalo ma wa de ke ma so plio. Oh, mau gaga de la signalo, mau gaga de la signalo, yeah, de la signalo, mau a de que me so, oh, ya le le le, oh. Oh, mau gaga de la signalo. Yeah, de la signalo. Oh, dalelea. Oh, yes, gaga de la signalo. Signore, gaga de la signalo. Awa de que me sofli. Oh, talelea. Bokola ajinya palo ajinya ta oh yesu na makokola ajinya palo bokola ajinya pa ajinya na khojo heli 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 ata jinya yonkumel leka 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 yesu na makokola ajinya palo ajinya na khojo heli heli oh ata jinya yonkumel leka 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 yesu na makokola ajinya palo oh ajinya pa
Dieu est pas le mien, 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 mien. Oh. Dieu n'est pas. Dieu n'est pas le mien, 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 mien. Oh. Dieu n'est pas. Children of God are gathered to praise their God, worship their God, and honor their God. Today is the day of Jubilee. Jinyapa, 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 lo nya 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 nya. Yesu na makokola, Jinyapa la. Yes, I'm a cocola, I didn't have a lot. I didn't have a lot of honey, honey, honey. I got you now, young woman. Look at the girl, look at the girl. Yes, I'm a cocola, I didn't have a lot. I didn't have a lot of honey, honey. I got you now, young woman. Praise the Lord! Hallelujah! 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 Jinyapa! 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 Mia 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 mia. Oh, Jesus, name Pocola, Geneva. Praise the Lord. Hallelujah. Can any of you? Quelle heure est-il? Nous avons entendu le Christ, mon frère et soeur bien-aimé en Christ. Le Saint-Esprit continue à nous conduire tout doucement dans ce message. Et nous sommes entrés dans des contrées importantes. Parce que nous avions vu les enfants du diable et les enfants de Dieu. Et nous avions également vu que Jésus-Christ a dit de ne point les arracher. Ah. Pas du tout. Parce que nous... jusqu'au temps de la fin. Et nous voyons et distinguons qu'il y a une grande lutte qui se passe entre deux royaumes. Et depuis le commencement du monde, et cette lutte se déroula. Satan a battu le point. Le royaume de Satan. Jésus Christ a battu le point. Et le royaume de Jésus-Christ.
C'est pourquoi Satan a ododo ade. Satan fit un certain plan. Il a fait en sorte que ces démons qui sont ces anges déchus qui vont épouser les filles des hommes et ont eu des enfants et que leurs enfants se marient à nouveau et procréer ainsi et ils ont continué à se multiplier parce que ils savent qu'il y a un jour qui est prévu qui sera le jour de l'Antichrist afin qu'il soit en grand nombre autour de lui. Frères et sœurs, et on va voter pour lui. Oui, il doit être élu. L'Antichrist, il sera élu avant qu'il ait la victoire. Et c'est pourquoi ceux qui sont pour lui doivent être en grand nombre. Raison pour laquelle il se multiplie. Mais les véritables hommes et plusieurs d'entre eux ne connaissent pas ceci. Ils vivent là-dedans n'importe comment et se marient n'importe comment et ils ne savent pas les résultats de cela. Et voilà ce que nous développons. Nous avions découvert les jeunes et cela passe toujours dans la même voie. Et nous avançons pour découvrir le sang. Et car nous avions vu le sang des animaux. Et nous avions vu ce qu'ils ont fait. Et surtout concernant l'alliance. Et les gens ne savaient pas que le sang des animaux en les égorgeant et en les offrant sacrifice, ce n'est pas ce que l'homme disait et qui va être efficace parce que ce n'est pas l'homme qui a été tué. Ce qu'on a tué, son sang, c'est lui qui va travailler. Et qu'est-ce que ce sang a dit? Et c'est là où se trouve le problème. Et nous avions observé les personnages qui ont offert des sacrifices. Et nous avions vu la raison de ces sacrifices en disant que le bonheur arrive, que la chose marche. La chose n'a pas marché. Cela montre que il y a une autre parole. Et que l'animal qui a été offert en sacrifice a dit. Parce que c'est son sang. Et qui a confirmé cela? Cela se réalise donc. Et la vie des hommes fut ainsi détruite. Ok. Continuons. Nous avions commencé à nous observer nous-mêmes. Et nous avions vu nos nerfs également leur fonction est différemment et qu'on appelle le système nerveux. Ici nous voyons que le corps entier et Dieu l'a créé spécialement et c'est dans cet ordre que le corps travaille et tel que cela se présente dans l'organisme et c'est de même que cela existe en esprit. Et nous avions découvert des nerfs et un grand diamètre et qu'on appelle les axones et qui reçoivent les messages
Et qu'ils envoient dans les différentes parties du corps. Et ce sont de grands tuyaux. Et nous avions vu ce qui les entoure. Et qu'on appelle la gaine de myéline. Et tout comme les gaines entourent les fils électriques. Ainsi, et quand l'énergie électrique passe, et qui est poids de court-circuit. C'est la même représentation qui se trouve dans notre organisme. Frères et sœurs, et nous avions vu que ces gaines de myéline qui entourent les axones, cela donne une certaine puissance aux axones. Ainsi, quelle que soit l'importance du message, et ce message peut parcourir aisément ces axones et qui n'est pas de dégâts. Et nous avions également vu que les axones qui véhiculent les messages urgents, de même que les messages importants et qui courent très rapidement à grande vitesse, et ce type d'axones, ce n'est pas une petite puissance qui les traverse. Raison pour laquelle les myélines qui les entourent ont un grand diamètre afin qu'ils arrivent ou qu'elles arrivent à supporter les tensions. Voilà, c'est Dieu qui a fait tout ceci. Et nous avions également découvert certaines cellules que nous appelons les oligodendrocytes et qui traversent d'autres cellules appelées les gliales. Et les oligodendrocytes et l'oligodendrocyte produit les myélines. Alors, nous sommes le corps, l'âme. Et par le corps cellulaire. Seigneur, nous traînons. Et qui est une colle. Oui, colle. Oui, une colle. Dans vieux. Frères et sœurs. Ainsi, en ceci, en manifestant ces choses, alors cela entoure les axones. Et pour qu'ils arrivent à recevoir les messages pour les faire passer. Et nous avons également vu les synapses. Et qui sont ces joints entre les deux nerfs. Et parce que plusieurs nerfs ne sont pas attachés les uns aux autres. Mais plutôt, il y a... il y a une jonction entre eux. Et toutefois, le message qui est véhiculé, le message va dans le joint qui est entre les deux nerfs. Et c'est ce joint qu'on appelle synapse. Et nous avions également vu qu'il y a quelque chose là-bas qui travaille et qui fait en sorte que le message passe et pour arriver à d'autres nerfs. Et du premier nerf, et nous avions vu que ce sont les neurones transmetteurs. Et tout ceci existe dans notre organisme et différemment. C'est la même représentation en esprit. Et nous avons donc vu que lorsque Dieu envoie son message, notre esprit reçoit cela. L'esprit n'a pas de problème. Et l'esprit à son tour l'envoie dans l'âme. Ou disons que cela va dans le cerveau. Le cerveau doit donc maintenant envoyer le message aux endroits importants dans le corps. Et si c'est la guérison, et si c'est dans les pieds,
Alors le cerveau envoie le message dans les pieds. Maintenant, l'importance de la chose. Ou vu l'importance de la chose, certaines fois, il est indispensable que cela passe dans les grands axones. Et pour que le message puisse être vite véhiculé. Et pour atteindre l'endroit rapidement. Et une fois là-bas. Nous voyons que les axones n'atteignent pas les choses directement. C'est là-bas où on fait et voit les nerfs principaux. Et les petits nerfs plutôt qui, par lesquels passe le message. Et les neurones transmetteurs reçoivent là-bas. Le message pour le transmettre dans d'autres nerfs. Afin que cela aille travailler à l'endroit important. Et le dimanche passé, nous avions vu un travail important. Là où nous avions vu avant. Et qui a les routes principales dans la ville. Et toutefois, les grandes rues ne débouchent pas dans la maison des gens. Wow. Pas du tout. Parce que quand la grande voie vient, arrive à un certain niveau, et on fait les routes secondaires et pour entrer dans la maison de quelqu'un. Et ces petites rues, ce sont les petits neurones que nous appelons. Et les rues principales, ce sont les axones. Amen. Amen. Et nous avions vu un exemple le dimanche. Parce que nous continuons aujourd'hui. Que c'est tout comme. Et tel qu'on emporte des bagages de Paris. Il y a deux chemins. Et une des rues passe dans les airs. Voilà un des grands axones. L'autre par la mer. C'est également un grand axone. Les deux vont arriver et disons parler à l'aéroport. Par la mer. Cela arrive au port. Maintenant, une fois là-bas, il y a les synapses là-bas. On doit décharger maintenant et pour mettre le bagage dans un véhicule. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Nous avions déjà dit ceci amplement. Alors, le véhicule va marcher. Peut-être que ce bagage, on va l'utiliser à Dapaon. Et c'est pourquoi le véhicule doit apporter cela rapidement. Et nous avions demandé, et s'il arrivait que le véhicule a déjà pris les bagages, ainsi, et il doit prendre sa route. Maintenant, quelqu'un dit et qu'il aille d'abord à Néo et pour faire un travail d'abord là-bas avant de retourner à Dapaon. Est-ce que tu vas être d'accord? Et tu avais répondu comment? Et pourquoi est-ce que tu rejettes ce que tu as déjà dit? Et nous avions compris finalement. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, vieux. Frères et sœurs. Et ce travail qui se déroule dans le corps est tel que le message doit venir du cerveau et passer par les axones. Et pour arriver à un niveau, il doit traverser les synapses. Et les choses qui se trouvent là-bas et qui peuvent propulser le message pour qu'il aille vite. Ce sont les neurones transmetteurs. Et là-bas, nous avions vu les neurones transmetteurs ont une certaine puissance. Voilà, ils ont un certain mandat. Et qui peuvent décider si ce message doit aller ou doit être retenu. Quand on est là, alors, au basé de
message pour boire il kena mero transmettre na gaho chose soit bon. Et ceci en fonction d'un certain message que les neurones transmetteurs vont encore recevoir du cerveau. De même, en esprit, et Dieu envoie la chose. Mais en ayant envoyé la chose, c'est également lui qui veille à ce que la chose aille rapidement ou prenne un peu du retard avant d'y aller. Ici, il y a une grande détentation ici au Fils des hommes. C'est ici que plusieurs s'affaiblissent. C'est ici que plusieurs reculent parce qu'ils sont fatigués. Ils disent, mais c'est quoi donc? Et ce Jésus auprès de duquel je suis venu est jusque à quand? Seigneur, et jusque à quand? Et l'accomplissement de la promesse. Praise the Lord. Alléluia. Of you. Praise the Lord. Nous avions vu Jésus-Christ. Que lorsque Jairus vient le voir, en le suppliant, que ma fille est très malade, elle est à l'extrémité, viens vite. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, j'irai. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il partit. Il prit route. Mais qu'est-ce qu'il a rencontré en cours de route? La foule le pressait. Et là-bas, nous avions vu que tout ce qui va venir et les choses là vont te presser. Et si quelque chose te presse, cela ne montre pas que c'est fini pour toi. Mais plutôt, qu'est-ce que nous avons vu qui va arriver? C'est le bonheur qui va venir. Praise the Lord. Alléluia. Et si la chose commence à te presser, tu dois savoir que quelque chose s'annonce et qu'on appelle le bonheur et la grâce. Alléluia. Amen. Ceci n'est qu'un rappel. Parce qu'aujourd'hui c'est le dernier dimanche de l'an 2007. Ok, très bien. Amen. 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 Love you. Frères et sœurs, et tu as fait beaucoup de calculs au début de cette année. Et Dieu t'a dit que cela va arriver avant à la fin de l'année. Et aujourd'hui, tu es au dernier dimanche. Et parce que beaucoup de choses t'ont pressé en cours de route. Et tu ne savais plus quoi faire. Et tu as cru que la promesse était vaine. Non, elle n'est pas vaine. Elle n'est pas vaine. Et les choses t'ont pressé. Et si cela t'est pressé jusqu'à présent, tu dois savoir que c'est le bonheur qui arrive. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Love you. Praise the Lord. Afimai. C'est là-bas. Non, aussi si dans là. Que la femme souffrant de perte de sang. Elle aussi est venue là-bas. Et va le Jésus-Christ au bout. Et elle a pris le pan de la robe de Jésus-Christ. Et elle fut guérie. Mais la chose est devenue une autre chose. Que maintenant Jésus est venu à rechercher celle qui avait touché à sa robe. Alors que la voiture a déjà pris les bagages. Et pour qu'elle aille à Dapaon. Maintenant quelqu'un détourne les bagages. Et où? À Néo. À Néo. Et à Néo. Et celui-là d'ailleurs, on ne le retrouve plus. Et on est maintenant en train de le chercher. Oui, en le cherchant. Cela toi, qu'est-ce qui arrive? Et à Jairus. Oh non. Et il s'irritait. Et il se fatiguait.
Et ce Jésus que je suis venu chercher, les gens sont partis l'appeler. Et il est allé rapidement dans leur maison. Et ils ont eu l'accomplissement de leur désir. Et pour moi, mon cas, et voilà ce qui m'arrive finalement. Mais qu'est-ce qui m'arrive donc? Et c'est le bonheur. Mais cette parole, et tout le monde n'arrive pas vite à comprendre cela. Frères et sœurs, nous allons continuer maintenant. Parce que nous étions arrêtés quelque part la dernière fois. Nous allons relancer. Retournons dans l'évangile selon Marc, le chapitre 5. Lisons à partir du verset 35. Marc chapitre 5, le 35e verset. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Amen. Amen. Marc ôta ton, pipi blat ton voix ton lia. Ainsi, au galé nous pommes là, du tchopou pour pommes gant la pomme va bena. Maka galé nous pommes. Qui parlait encore? Maka nous pommes. Qui parlait? Yesu. Jésus. Ta fille est morte. Et pourquoi? Et parce qu'on n'était pas venu rapidement. Amen. Amen. Pourquoi importuner encore le maître? Parce que la fille est déjà morte. Et plusieurs viennent au culte. Et pour une raison. Et certains ont su en même temps. Et qu'ils veulent se repentir. Et ils se sont convertis. Et pour d'autres, c'est un problème particulier qui les a fait venir. Et ils espéraient que Dieu le fera. Chacun avec son cas énormément. Maintenant, la raison pour laquelle il est venu voir Jésus, il a constaté qu'on ne lui a pas fait la chose et pourtant, et tout est détruit. Tout est comment? Détruit. La question est celle-ci. Est-il besoin de venir encore au culte? Est-il besoin de venir encore au culte? La raison pour laquelle je suis venu, et ça a été détruit. On dit que ce qu'on n'a pas acheté ne reste pas au marché. Mais c'est quoi? Cela va retourner à la maison. Oui. Merci. Tu l'as dit. Il va retourner à la maison. Et sœur, retourne chez toi. Et frère, rentre chez toi. Et mère, rentre à la maison. Et père, rentre à la maison. Alléluia. Amen. Et rentre chez toi. Et Jairus qui est venu voir Jésus. Et parce que sa fille était à l'extrémité. Et il appela Jésus. Et Jésus prit route en allant. Avant que cette femme l'arrête en chemin. Nous avions vu la dernière fois. Aussitôt certains vont dire quoi? Qu'est-ce qui est venu là-bas? C'est le sorcier. Et cette femme, elle est sorcière. Elle est sorcière à sept têtes. Et c'est elle qui est venue sur ma route. Mais qu'est-ce qui va arriver maintenant? Et son cœur battait la chamade. Oui. Et qu'il fasse vite. Et que la fille ne meure pas. C'est maintenant que Jésus est recherché la personne. Elle est où? Elle est cachée.
Mais jusqu'à quand celle-là va sortir? N'est-ce pas que Jésus devait laisser la personne? Et pour que nous allons à la maison, après avoir guéri ma fille, il peut revenir et chercher celui-là. Jésus a dit non. Et je vais d'abord voir la personne. Et Pierre a dit, Seigneur, et tout le monde te touche. Et ne va-t-il pas entendre la version de Pierre et que nous repartions? Et Pierre l'avait dit, c'est vrai. Et tout le monde le touchait. Et Jésus répondit, Pierre, quelqu'un m'a touché. Et cet attouchement est différent. Et parce qu'une puissance est sortie de moi. Je recherche celui-là. Je vais le trouver avant de partir. Oui. Je suis mort. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Ma fille va-t-elle survivre? Peu de temps après, voilà quelqu'un qui vient. Je dis, c'est fini. Voilà ce que je disais. Oui, on y est. Ce que je craignais, c'est cela qui m'est arrivé. On dit, après toi, Seigneur, Viewade, ta fille, Vinyanka, ma fille, elle a quoi? Elle est morte. Laisse le Seigneur. Laisse Jésus. Et rentrons à la maison. Et cherchons un cercueil. Et enterrons la fille. Frères et sœurs, et ce fut une situation importante et difficile. Mais une des paroles que je t'ai dites la dernière fois, je t'avais dit, si et l'erreur provenait de toi, avant que la situation se présente ainsi, c'est à cette condition. Mais si Dieu lui-même, c'est lui qui a fait arrêter la chose, avant que ta situation te nuise, alors tu dois savoir que rien n'est encore détruit. Ce qui est détruit, cela peut être réparé. Et d'ailleurs, mieux qu'avant. Praise the Lord. Alléluia. Ici, nous allons examiner des choses importantes. Parce que, et on a besoin de quelque chose. Frères et sœurs, Jésus-Christ avait dit quelque chose à cet homme. Mais avant de voir cela, retournons dans la Bible. Parce que quand ceci arriva, il est indispensable que Jairus soit animé de quelque chose avant qu'il ne puisse recevoir ce qu'il cherchait. Ce qu'il devait avoir dans la vie, c'est cela que nous allons voir. Allons dans la Bible. Allons dans Jacques. Jacobo. Jacques. Et à ton lien. Le chapitre 5. Je vous lien. À partir du verset 7. Jacques, chapitre 5, à partir du 7e verset. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Amen. Jacob au pas dans l'état à temps, mais en l'écrit qu'il y a d'un plein n'ilia. Et yanti mi body blé ou, non vigne ou, à la se après tout la peau va vague. Pada agble de la la la, anik badi nous va voir quoi si ou. Et yo, bois di blé ou. À la se estime, à d'accord que le
janane mi a ora mi gbodi bleu mi do un se mi apo jiwo ela bena apo topo vava idovo amen amen nous voulons entendre le Christ et frères et sœurs bien-aimés en Christ il est dit une chofia nous relançons à partir d'ici nouvelle vie. La chose indispensable que Jairus devait avoir dans sa vie, afin qu'il puisse faire ce parcours avec Christ, est de recevoir l'accomplissement de son miracle. Voilà, c'est à cela que nous sommes venus. Et ceci est insupportable à plusieurs. La Bible dit, soyez donc patients, frères. Voir ce que le grec dit. Macroté. Macrotoumé seta. Macrotoumé seta. Oh. Adelphoi. Adelphoi, mes chers, allô, mes chers. Tu l'as déjà dit. Je l'ai Adelphoi, déjà dit ici, frère. Novio. Frère, Adelphoi, nos vignes où? Mes frères, car que Moussia. Mais ce mot, Makutu Meseta, Nyasiade. Cette parole, si Yomou le Bédi Boadia, et qu'on appelle patience, ma fion, tu connais vous Boadia. Je vais te montrer une autre patience avant de revenir à celle-ci. Tu connais vous Boubou, une autre patience, si nous. Grec a eu bena enye hupomeno. Appelé ainsi en grec. Hupomeno. 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 Cela veut dire alala. Et attendre. Maintenant, exemple là. Un exemple. Elle est Lucata. Et vous écoutez bien de voir et ton liam. Luc chapitre 2, le verset 43. Afima. Là-bas, on a dit Jésus-Christ Jésus-Christ et ses parents allaient à Jérusalem. Et en repartant, Jésus a fait quoi? Il avait encore 12 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté là-bas. Il est resté là-bas. En cours de route. Il est resté là-bas. Parce que il avait voulu faire quelque chose. S'il te plaît, est-ce que ça te plaît? Il voulait faire quelque chose. Ou il faisait quelque chose qui n'a pas encore fini. Et il espérait sa continuité et sa finition. Est-ce que c'est clair? Alors, dans cette espérance, il devait ralentir donc. Et il a pris. Il a pris, disons, une virgule ou bien resté. Il ne va pas partir en même temps. Mais plutôt, il est resté un peu. Ok. Fifia. Maintenant, nous pouvons voir également la seconde. Dans Actes, chapitre 17, verset 14, qui dit. Guidi John. Le Paul Il eut du tumulte quand Paul prêcha l'évangile. Aussitôt, les frères envoyèrent Paul à Athènes. Et Timothée et un autre jeune homme. Tito, oh là là. Tite restait là-bas. Oh là là, Rafima. Ils restèrent là-bas. Et pour voir le déroulement de la situation. Après cela, ils feront le rapport à Paul. Ils ne quittèrent pas en même temps. Mais ils restaient un peu. Ils sont restés. Voilà, c'est toujours la patience. Mais ce n'est pas ce que nous voyons ici. Frères et sœurs, et cette patience-ci, Makrotou, Meseta, Eyenya, tu godis le feu, c'est une patience dans l'affliction. Tu godis le bruit, une patience dans les luttes.
C'est pourquoi la Bible a dit Agbedela elle la anigba di nunana kwasiwo. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Aye wonanka. Et il fait quoi? Awonanka. Il fait quoi? Agbona di blou. Il prend patience. Basenesime. Kele ple adatinaja. Et jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. En ce moment-là, il avait faim. Il avait semé. Et la semence a poussé jusqu'à un certain niveau. Mais il devait prendre patience. Supposons que quand il avait faim, il avait semé et mis sous terre la pomme. Oui, la pomme. Et maintenant, il avait fait. Et il voulait manger de la pomme. Oui. Maintenant il a dit à ce niveau où cela a formé, est-ce qu'il y aura d'autres choses en dessous? Parce que le temps n'est pas encore accompli. Et s'il y va pour arracher cela, qu'est-ce qui va lui arriver? Ce qu'il va trouver sous terre, il ne va pas pouvoir le manger. Parce que la chose n'est pas encore totalement faite. Il ne pourra donc pas la consommer. On dit quelque chose. Écoute. Quelqu'un a eu faim et il a brûlé. Oui. Le grenier d'Ignam. Quelqu'un a eu faim. Et il a mis du feu au grenier. Que veut dire donc ceci? Cela veut dire en certains endroits où on cultive l'Ignam. Et quand on déterre les Ignam, on met cela dans le grenier. Vois-tu comment on amasse le maïs dans le grenier? Il en est de même des Ignam. Et quand ce jeune homme avait faim, et une fois arrivé, il avait tellement faim et qu'il avait voulu faire cuire au feu une igname. Et pour cette raison, il a mis du feu sous le grenier. Aussitôt, et pour que une des ignames soit cuite, pour qu'il la mange en même temps. Mais et le feu a finalement pris et les tiges, aussitôt, et le feu brûla tout l'igname. Et selon toi, qu'est-ce qui est arrivé? Frères et sœurs, il va trouver à manger, bien sûr, des ignames en ce jour. Parce que certainement, il y aura des ignames qui t'ont mangé. Mais c'est fini. Et tout le grenier d'igname est détruit. Il aura faim toute la saison. Et qu'est-ce qu'il n'avait pas dans sa vie? Il avait manqué de quoi? La patience. Et il était pressé par la faim. C'est en ceci que tu dois persévérer. Et persévérer. En ce moment précis. Et c'est très difficile. Toi seul, tu le sauras. Et l'habit que tu portes et la chaleur que cela produit sur toi. Et toi seul, tu le sauras. Les chaussures que tu as aux pieds. Et ce qui te pique sous. Toi seul, tu le sauras. Frères et sœurs, et ce n'est pas du tout facile. Et mais Dieu dit, en ce moment-là, prends patience. Praise the Lord. Alléluia. Alors, prends patience. Ne fais aucune action n'importe comment. Et prends patience. Maintenant. Et je vais te donner un exemple. Nous connaissons tous Saül. Praise the Lord. Alléluia. Avio. Praise the Lord. La Bible a le bon. Et si la Bible dit,
prends patience. Le verset 8. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs. Car l'avènement du Seigneur est proche. Alors fortifie ou affermis ton cœur. Parce que l'avènement du Seigneur est proche. Le miracle va arriver bientôt. Pour cette raison, affermis ton cœur. En ce moment précis, et quand ton cœur souffre, mais Dieu te dit. Prends patience. Nous parlons de cette patience-là. Prends patience. Ne fais rien pour l'instant. Prends patience. Frères et sœurs. Écoute très bien. Les neurones transmetteurs. Et quand il véhicule le message, alors transmettre message, ou pour transmettre le message, il entend ceci. Message pas ton mega transmettre. Le premier message ne le transmet pas encore. Notez. Arrête. Transmettre boubou. Et transmet un autre. Oh, y a pas boubou. Et dans une autre partie du corps. Où j'en va. Parce qu'il y a une urgence. Et qu'on doit veiller à son utilisation rapidement. Ainsi donc ce qui allait dans les pieds, arrête-le qu'il n'y aille pas et qu'il n'aille pas dans les pieds. Mais et transmet au contraire ceci pour qu'il aille dans les poumons d'abord. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Et qu'il aille premièrement dans et les poumons. Après cela, et transmet maintenant le message dans les jambes. C'est ici que les gens de la jambe se sont rebellés. Mais pourquoi? Et pourquoi? Nous souffrons depuis fort longtemps. Nous souffrons depuis fort longtemps. Et maintenant, et le cas du poumon se présente. Mais on envoie d'abord cela au poumon avant de s'occuper de nous maintenant. Cela veut dire qu'on nous, ne nous aime pas. Non, pas du tout. Et Dieu t'aime, et pourtant, il t'aime. J'ai dit quoi? Il t'aime. Et sais-tu pourquoi il t'aime? Parce que et si le poumon et qui respire et s'il est détruit, qu'est-ce qui va arriver? La jambe aussi fera quoi? Direct. Et elle sera redite. Et elle sera dans le sépulcre. C'est pourquoi le cerveau, c'est lui qui est chargé des opérations. Et il veille partout. Les messages lui parviennent. Et il dit non. Neurotransmetteur, arrête d'abord que le message n'aille pas encore aux gens. Il y a une urgence. Les poumons, envoie ceci aux poumons rapidement pour qu'il aille soulager les poumons. Après cela, envoie maintenant aux jambes. En ce moment-là, la jambe pleure. Et ça ne marche pas. Ça ne va pas. Et je vais mourir. Je vais mourir. Mais le cerveau dit, attends d'abord. Arrête d'abord. N'ayez le poumon. Et donne d'abord au poumon. Novio. Frères et sœurs. C'est ainsi que toute ta personne te présente le message. Il est formé now. Et tu es formé le message. Et c'est le message qui t'active. Le message me va à l'ovier bordé. Si le message ne parvient pas au doigt, les doigts ne vont point gesticuler. La main d'elle-même ne peut rien faire. Message va venir. Et le message qui va venir et va dire à la main, secoue les doigts. Et va et réfléchis et gratine la tête. Et dit et gratine ce niveau de la tête. Et il va et le fait. Voilà le message. Lui-même, il ne le fera pas de lui-même. Alors si un moment arrive et que ta myéline est détruite et que le message ne va plus au doigt ou à la main, aussitôt tu n'arriveras plus à soulever ton bras. Oui.
Le bras est paralysé ainsi. La chose est détruite. Nous y attendons. C'est pourquoi les paroles que tu vas entendre, alors fais attention à cela. N'écoute pas n'importe quelle parole. Et parce que c'est la parole qui agit dans ta vie. Et ce n'est pas une autre chose sinon la parole. La parole, c'est elle qui opère dans ta vie. Le message que le cerveau transmet, c'est cela qu'on traduit. Il y a quelque chose qui les traduit. Et les transmet. Aussitôt cela va au niveau des synapses. En même temps, les neurotransmetteurs captent cela. Et pour les transmettre. Et cela passe par les actions. Et cela va dans les dendrites. Aussitôt, on envoie cela à tous les parties. Message. Le message. Alors quand on prêche la parole de Dieu et qu'on te l'envoie, et c'est ton pied qui est enflé et on dit la parole de Dieu, ton esprit va la voir et ton esprit va donner la parole à ton âme ou à ton cerveau. Aussitôt le cerveau va transmettre la parole et par les actions aller jusqu'au pied. Une fois là-bas, aussitôt là, le pied est guéri. Le pied est guéri. Mais même message Java. Et si le message de Dieu vient, ton esprit reçoit cela et qu'il envoie. Et le cerveau reçoit cela et qu'il le transmet. Mais il y a du dégât sur tel lien quelque part. Aussitôt il y a un court-circuit. Message à tout. Le message sort du tuyau. Et on va le contaminer. Et il est maintenant contaminé. Alors? D'ailleurs, les messages qui parviennent aux pieds. Et tu n'es pas guéri. Pas du tout. Ce que je dis maintenant. Et quoi que tes oreilles les écoutent, et c'est et les oreilles de ton esprit qui doivent capter cela. Et une fois capté, alors ils vont transmettre cela aux oreilles de l'âme. Et l'oreille de l'âme et fera pénétrer cela et les cerveaux. Aussitôt il y a quelque chose là-bas que je vais t'enseigner plus tard et qui traduit le message et ce qu'il a. Et il sait où l'envoyer. Aussitôt, il transmet le message dans le tuyau indispensable. Et parce qu'il y a plusieurs tuyaux, il y a plusieurs neurones dans le cerveau. Aucun ne doit être mélangé. Et s'il reçoit cela et qu'il le transmet, cela passe et par où il doit passer. Et cela va directement là où tu souffres. Et c'est fini. C'est fini. Et c'est fini. Mais si tu n'arrives pas à recevoir la parole, tu n'es pas guéri. Le miracle non plus n'arrive. C'est ici. Et on a besoin de patience. Frères et sœurs. Saül. Il eut une guerre contre lui. Et il allait au champ de bataille. Écoute bien. Parce que je vais dire le mauvais côté. Et une fois sur le champ de bataille, quelque chose arriva. Allons dans le livre des rois. Samuel, chapitre 1. 1 Samuel. Le chapitre 13. Quand nous lisons le verset 7. 1 Samuel, chapitre 13, à partir du 7e verset. Il y eut aussitôt des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Amen. Amen. Samuel Banto Tawieton. Mia Repipi Adrelia. Eye Hebrito Choyor dans Yigad Nigba, Ple Gilead Nigbaji. Que Saul Gale Gilgalke.
eye duko blibo la le jojom nyanyanyale eyome amen du kola le jojom nyanyanyale sol yo tout le peuple qui se trouvait auprès de Saül tremblait navio précesseur abayo et c'est une guerre qui fut déclenchée et ils sont au champ de bataille abagede una le wagbem et plusieurs guerres se soulèvent dans ta vie. Dans chaque jour, ta vie est exposée aux guerres. Et frères et sœurs, Saul la et Saül au champ de bataille. Et le peuple auprès de lui tremblait. Il tremblait. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur parce que l'ennemi venait. Et ils avaient peur. Et le cœur de Jairus battait. Et pourquoi? Parce qu'il avait peur que l'enfant allait mourir. Parce que cela prenait trop du temps. Et quand Saül et le peuple étaient au champ de bataille, ils attendaient Samuel. Et parce que Samuel avait dit au septième jour, je viendrai. Et l'Éternel avait ordonné à Israël que s'il y a une guerre, avant que quelqu'un n'engage la guerre, il faut nécessairement que le prophète ait pris. Et qu'il entende la voix de l'Éternel. Et qu'il vous rapporte cela. Avant de commencer la guerre, une question. Et si les choses arrivent dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu cours en même temps? Et comme un coq, le coq, c'est lui qui dit. Amen. 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 Est-ce que tu as une fois entendu cela? Mais qu'est-ce qu'on entend? C'est le coq qui chante. Et un animal cherchait à prendre une des poules. Et le coq se rendit précipitamment. Parce que la poule criait, la poule criait. Et le coq arriva dans la précipitation. Et voilà ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il disait? Je me suis levé dans la précipitation et j'ai oublié le gourdin. Je me suis levé dans la précipitation, j'ai oublié le gourdin. Parce que le coq, une fois là-bas, il a vu un renard se saisir de la poule et il n'a pu rien faire du tout. Et il a crié que je me suis levé dans la précipitation, j'ai oublié le gourdin. Voilà ce qui arrive dans ta vie. Et tu n'as reçu aucune directive. Tu n'as reçu aucune instruction. Et tu es allé dans la précipitation. Et tu as commencé à battre et à te battre. Et dans le tumulte. Non. Ne le fais pas ainsi. Le peuple tremblait auprès de lui. La Bible continue en disant. Il attendit 7 jours. Selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas. Qui n'est pas venu? Samuel. Qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs, on a arrêté l'évolution du message. Oui. Ceci arrive dans ta vie chaque fois. Je te l'avais enseigné la dernière fois. J'ai dit, et je vais marcher aller là-bas. Et en y allant, en même temps, je me suis arrêté. Parce que, peut-être, et quelque chose est venu à mes pensées. Et il y a une urgence. Et vais-je m'arrêter ou progresser? Vais-je m'arrêter? Et pour faire quoi? Et
j'avais quelque chose dans l'œil et l'enlever d'abord. Parce que si tu n'enlèves pas la chose, là où je me rendais, c'est que je dois voir avant de pouvoir saisir la chose. Et voilà l'œil qui a des problèmes. On doit s'occuper de lui d'abord. Pour cette raison, le premier message doit s'arrêter. Mais il va y aller quand même. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Samuel. Samuel me va on garde. Et n'est pas venu sept jours après. Tete du kola kaka le. Et le peuple se dispersait loin de lui. Du kola kaka. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Supposons que le peuple ici représente la myéline. Aye, du kola pour klado maka. Le peuple entoura Saül. Maintenant, quelque chose arriva. Quelque chose arriva. Lorsque Samuel tardait à venir, sclérosis multiple, agade, Saul bagbe. La sclérose multiple est entrée dans la vie de Saül. Et elle est entrée dans sa vie. Et qu'est-ce qu'elle va aller détruire? Nous avions vu six éléments. Vision. La vision. Plenka. Sensation. Les sensations. Plenka. Coordination. La coordination. Plenka. Mouvement. Les mouvements. Plenka. Plenka. Hein? Hein? Maux de ventre. Les maux de ventre. Adelia. Adelia. Hein? Vessie. La vessie. Non, madame. Ces six éléments. Et l'un des six éléments que nous observons ici, qui peut me le donner? Si quelqu'un le dit, il a un cadeau spécial. Tu vas donner seulement une seule fois. Vision. Ok, mais la canne est un peu plus grande. Mouvement. C'est fini. C'est fini. Coordination. C'est la coordination. Coordination. La coordination. Nous y a un enfilé. Ceci doit être disposé de telle manière. Et l'autre doit être disposé de telle manière. Amenez ceci de l'autre côté. Et toi aussi, attends là-bas. Et toi aussi, reste ici, je viens. Et toi, reste un peu en avant. Je viens. Je viens. Et toi, recule un peu. Reste ici, j'arrive. Stratégie. Voilà la stratégie. Frères et sœurs. Et si la sclérose multiple entre dans ta vie, elle va détruire cette coordination dans ta vie. Et elle va la détruire totalement. Et c'est pourquoi tu es là sans avoir ta tête. Et tout ce qui vient, et tout vent qui souffle, et t'emporte. À partir d'aujourd'hui, cela n'arrivera plus jamais ici dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. La chose fut détruite à Saul. Aussitôt, la myéline a commencé à s'éparpiller. Oui, s'éparpiller. Et cela s'enlève. Et une fois la myéline enlevée, le court-circuit va intervenir. Tout de suite. Et cela est arrivé effectivement. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, le verset 9. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Ce n'était pas à lui d'offrir l'holocauste. Jamais. Qui devait le faire? Le prophète Samuel. Maintenant, il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Après avoir offert l'holocauste, Samuel va. Samuel arriva. Et il va donner. Et il avait le saluer. Samuel dit, nous qu'as-tu fait?
Qu'as-tu fait? Dada vie. Sœur. Kanewo. Qu'as-tu fait? Papa. Père. Nous kanewo. Qu'as-tu fait? Efo. Frère. Mais ben nous kanewo. Je dis qu'est-ce que tu as fait? Sister. Sœur. Nous kanewo. Qu'as-tu fait? Maoulong pomno la fille. Dieu te parle ici. Nous kanewo. Qu'as-tu fait? Si melebenawo. Que tu ne devais pas faire. Nous kanewo. Qu'as-tu fait? Oh, praise the Lord. Alléluia. Hey, oh, glabana. Ça lui répondit. Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, et que tu n'arrivais pas au temps, au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Micmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. J'aimerais te dire que Satan, il ne fait que t'effrayer. Il n'a pas de dents dans la bouche. Praise the Lord. Alléluia. Il n'a pas quoi dans la bouche. Il n'a pas de dents. Il n'a pas de griffes. Il ne peut jamais se saisir de toi. Quelqu'un qui est plus grand que lui, son nom est le lion de Juda. Praise the Lord. Alléluia. C'est en celui-là que tu dois croire. Et les Philistins vont descendre contre moi. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Et tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel t'aurait ou aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et Dieu t'a établi pour que tu règnes dans ta vie, dans le travail, dans le mariage, dans l'enfantement, dans le monde, dans les études, partout où tu te trouves, tu dois régner. Mais, et si ta myéline est détruite, ton règne va en pâtir. Et si tu ne prends pas patience, ton règne sera détruit. Et tu seras démuni de force totalement. Tu n'auras plus de vision. Et ta vie va régresser. En ce jour, on dit à Saül, oui, tu as détruit la chose pour toi. Qu'est-ce que la sclérose multiple fait? Qu'est-ce qu'il fait? Elle produit une protéine. Elle produit des protéines. Sinon, qui sont semblables, conformes à la myéline. Et ces protéines viennent se coller à la myéline. Et qu'est-ce qui arrive là-bas? Et qu'avions-nous vu? Aussitôt, et tes globules blancs que tu as en toi, les globules blancs que tu as en toi, et se lancent contre ces choses, et ils combattent. Et dans ce combat, qu'est-ce qu'ils détruisent? Ta propre myéline. Tu vas t'auto-détruire. Et nous avions appelé cela comment? L'immeuble renversé sur un autre immeuble. Cela devient quoi? Une ruine. Et que tu te détruises. Toi-même. Tu vas te ruiner. Je t'ai délivré de cela aujourd'hui. Il n'aura plus d'emprise sur toi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen.
Amen. Nous voulons entendre le Christ. Et frères et sœurs bien-aimés en Christ, c'est quoi? La patience. Elle ne sauve pas tout. Et Saül devait prendre patience. Et prendre patience en ce moment-là. Et son cœur était tourmenté. Mais il devait prendre patience. Il n'a pas pu. Elle détruit. Et il détruisit ainsi sa personne et son règne. Mais toi, tu en es sorti. Je dis, toi, tu en es sorti. Je dis, on a écrit ton nom que tu es sorti de cela. Et devant Dieu, tu es sorti totalement de cela. Et cela ne va plus être ainsi dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Et sais-tu ce qui est arrivé? Abraham lui également. Dieu lui a dit et qu'il a béni. Genèse. Dans Genèse, chapitre 15, le chapitre 15, à partir du premier verset, et Dieu dit à Abraham, je te bénirai et tu auras des richesses en abondance. Et il dit à Dieu, Dieu, et si mes richesses sont abondantes et ma bénédiction est en grand nombre, et je vais en faire quoi? C'est toi qui m'as dit que j'aurai un enfant. Et jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore eu. Alors, Eliezer, mon serviteur, c'est lui qui va hériter de mes richesses. Et que dis-tu? Et Dieu lui a dit, Eliezer ne serait pas ton héritier. Moi, l'Éternel, je t'ai dit, tu auras un fils. Praise the Lord. Alléluia. Si tu vas dans le chapitre 16, aussitôt, Sarah yo Abraham. Et Sarah appela Abraham. Écoute bien. La patience. La persévérance. Et elle dit à Abraham. Abraham. Et l'Éternel a fermé mon utérus. Pour cette raison. Et je te donne mon esclave, Agar. Couche avec elle pour qu'elle te donne un fils. Et elle est à moi. Alors je te la donne. Et couche avec elle. Et des enfants. Et je vais adopter ce fils. Et il dit, est-ce vrai? Ah bon? Sarah. Ceci, est-ce que c'est bon maintenant? Il dit, mais c'est bon. Et fais-le ainsi. Et regarde-moi. Est-ce que je peux avoir encore d'enfants? Regarde les rides de mon visage. Et je n'ai même plus mes règles. Et comment est-ce que je peux avoir un enfant? Abraham. Et reçois ma parole. Et sinon, il y aura du tumulte dans la maison. Yo. Oui. Mon vieux. Frères et sœurs. Sarah. Et elle n'était pas. La vie femme. Et elle pleurait, elle ne laissait pas tranquille Abraham. Abraham dit Sarah. Sarah. Mais Sarah, que dis-tu? Et dit, je dis Agar. Je dis Agar. Et dit, alors j'ai compris. Et je ferai pour que ton cœur soit apaisé. Envio. Frères et sœurs, ce qui est artificieux et tranquillise ton cœur, tu vas grincer des dents demain. Tu vas faire quoi? Tu vas grincer des dents. Et il couche avec elle et elle a conçu. Et quand Agar a conçu, aussitôt, et Agar se trouva dans la position de la maîtresse. Et elle ne respectait plus Sarah. Sarah, Abraham. Et Sarah appela Abraham. 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 Elle Hagar comment? Et vois-tu Hagar? Comme tu vois le visage qu'elle fait dans la maison. Mais qu'est-ce que je vois? C'est toi qui es la cause de cela. Non. Et dis quoi? Je suis encore la cause de cela. Oui. C'est toi. Abayon. Il répondit, c'est bon. Et je te. Je te la laisse, tout ce que tu veux faire, fais avec. Et Sarah fit venir Agar. Toi, cette jeune fille. Et elle commença à la traiter durement. Et à lui donner des soufflets. Et à la frapper. Et oui, à la tourmenter. Arrivé à un niveau. Agar ne pouvait plus supporter. Et elle s'enfuya.
Elle s'enfuya en allant. Un ange de Dieu le rencontra. Elle lui dit, hey, oui, Hagar, Hagar, Sarah be couché. Et esclave de Sarah. Où vas-tu? Elle répondit, on me fait trop de méchanceté. Alors j'ai fui. Il dit non. Ne fuis pas. Retourne dans la maison. Et sois humble. Et elle aussi, elle en faisait de trop. Et elle en faisait de trop. Agar aussi en faisait de trop. Et tu as conçu et puis c'est fini. Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini? Oui. On dit va et sois humble. Et l'ange de Dieu lui dit, et tu as conçu et tu vas enfanter. Ishmael. Et tu lui donneras le nom d'Ismaël. Et je le ferai multiplier en grand nombre comme les sables de la mer. Et on n'arrivera pas à les compter. Compte-les aujourd'hui et je verrai. Les fils d'Ismaël, compte-les. Ils sont tellement nombreux. Mais écoutez bien. Il a dit quelque chose. Je vais lire cela. Dans Genèse, le chapitre 16. Le verset 12 dit. Et tu as la page. Il sera comme un âne sauvage. Ismaël sera comment? Un âne sauvage, comment agit-il? Un âne sauvage. Comment agit-il? Il lève la main. Lève la main. L'as-tu une fois vu? Mais c'est comme Mathieu, ok. Elle do. Où est-ce que le maïs se pousse? Oui, il a des épis. Tout comme la femme prend son enfant dans son sein et en dorlotant l'enfant. C'est ainsi que le maïs fait. Le maïs porte ses enfants ou ses épis. Le blé par contre pousse où? Oui, c'est au sommet. Il agira comme un âne sauvage. Écoutez bien. Sa main sera contre tous. Ah oui? Oui. Sa main sera contre. Il n'est pas encore né. Et déjà ce qu'il ferait, on le dit. Il lèvera la main contre tous. Et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Il fera quoi? Il habitera en face de tous ses frères. Les mettre dans l'étau. Alors, en faisant ainsi, voilà ce qu'on lui demande de faire. Frères et sœurs, ses frères, qui sont-ils? Ses frères, qui sont-ils? Israël. Israël. Tigui Israël. Oui. Il doit ainsi maltraiter Israël. À quoi? Sclérosis multiple. Oui, la sclérose multiple. Jusqu'à présent, Israël a des femmes. Israël pleure. Et il va pleurer tellement. Abraham en est la cause. Non, vieux. Frères et sœurs. C'est Abraham qui a lorsque Abraham accepta Agar en ce jour, il ne savait pas que la conséquence serait ainsi aujourd'hui. Il n'avait pas su. Et s'il avait encore persévéré un peu, parce que Sarah finalement n'a-t-elle pas eu son fils? Mais c'est la bouche de Sarah qui parlait. Oh, Agar. Prends Agar. C'est quelque chose qui va arriver si tu refuses. Et je veux avoir un nouveau-né dans cette maison. Agar peut me donner un fils. Mon frère, ma soeur, prends patience. Prends patience.
Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, Jairus, ceci entra dans sa vie. Et c'est, il voulait changer de pensée. Parce qu'on lui a dit, et n'importe une femme, rentrons à la maison. Et quand cela arrivait, Jésus entendait. Et quoi qu'il ne regardait pas et dans sa direction, mais il entendait ce qui se passait. Ce qui se passe, il voyait. Et tout ce qui se passe dans ta vie à toi aussi, Jésus-Christ le voit. Praise the Lord. Alléluia. Et il est en train de te dire que ne crains pas. Retournons dans l'évangile selon Marc. Marc, attends. Marc le chapitre 5. Ok. Le tonnier. Écoute bien. Le cas. Qu'est-ce qu'il a dit? Le verset 36. Que si Jésus Seigneur, c'est Blomwol est là. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, Jésus le gars au fumam. Jésus faisait quoi en ce moment-là? Avis Seigneur. Avant d'entendre ses paroles. Hein? Allez encore. Il cherchait quelqu'un. Et qui cherchait-il? La femme qui souffrait de perte de sang. Et qui l'avait touchée. Et elle fut guérie. Et elle était cachée parmi la foule. Il continuait à le chercher. Mais et il regardait également. Alléluia. Amen. Et Dieu n'est jamais affairé à une seule chose. Il n'est jamais occupé totalement. Et pour ainsi, il ne pourra pas regarder vers toi. Et tout ce qui se passe dans ta vie, il le voit. Alors prends patience. Il savait qu'on avait dit cela à Jairus. Et viens et allons-nous-en. Et nous allons acheter un cercueil et enterrer l'enfant. Jésus lui dit, Jésus dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. As-tu quelqu'un à ton côté? Dis-lui, mon frère, ma soeur. Ne crains point. Crois seulement. Et dis à un autre. Mon frère. Ne crains point. Crois seulement. Amen. Et dis-le à un autre. Mon frère. Ne crains point. Crois seulement. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Et sais-tu, c'est Habakkuk qui a dit quelque chose. Habakkuk a dit une parole importante. Mais c'est quoi, il dit pas. Retournons là-bas et continuons. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk. Qu'on le lise. Oui. Habakkuk 2. Oui. À partir du premier verset. Oui. J'étais à mon poste et mm-hmm. je me tenais sur la tour. Oui. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait mm-hmm. et ce que je répliquerai après ma plainte. Yes, merci beaucoup. Amen. Habakkuk agbalata vekwi pigbato mayinye jofe mayinye jofe. J'étais sur la tour ma pompule nye jojoma nguti et je parlerai de ma personne. Afika ojimdo, où est-ce que je suis né? Ojimde te posi que fi podele. On m'a engendré dans un lieu de malédiction et il y avait que la ruine. Pomasima ome daso oyango, la famille dans laquelle on ne se marie point pour prospérer. C'est dans cette famille que je suis né. Pomasima wodo ojadio, la famille dans laquelle on ne réussit pas les entreprises. C'est dans cette famille que je suis né. Ma pompule nye jokomti et j'irai sur ma tour. Ah aglomlo. Oui. Il dit eye ma titre de khota, ma titre de khota. Ne ma chan a po nya si ole bog bloge nam. Ne ma chan ma po ya ka tutu poge ye hu ola du ye ya ya nam. Va répliquer à ma parole. Ple nya si choge wala ado nye nya hege unam. Amen. Amen. Ele nya hema. Est-ce que tu contestes? Et pourquoi que la chose est ainsi? Et pourquoi est-ce que ma vie est ainsi? Et pourquoi est-ce que la vie de mes enfants est ainsi? Et pourquoi est-ce que ceci est arrivé? Et pourquoi est-ce que c'est la situation? Et c'est cela que tu penses? Mais Jésus te dit, ne crains point. Fais quoi? Crois seulement. Et il dit, Habakkuk.
Onya, sais-tu? Nous te gardons la chio. Tu as une vision. Nous te donnons la chio. Tu as une certaine promesse. Écris cela sur une table de pierre. Même si quelqu'un court, écris cela en gros caractère pour que tu le lis. Il y a un temps pour la vision. Praise the Lord. Alléluia. Il y a un temps réservé pour la vision. Et son avènement est déjà proche. Et cela ne va pas se séduire. Même si cela tarde. Non, t'es quoi? Espère cela. Parce que cela arrivera certainement, dis-le à son frère, certainement cela arrivera, certainement cela arrivera, et dis-le encore, certainement ça lui arrivera, et dis-le encore, certainement, dis-le à nouveau, dis-le à nouveau, dis-le à nouveau, encore, dis-le retourne-moi ici demain pendant la nuit. Praise the Lord. Alléluia. 31. Le 31. Demain. Je te dirai les choses qui vont arriver dans l'année à venir. Dans ta vie. Tel que cela va se présenter. Retrouve-moi ici. Et Dieu m'envoie vers toi spécialement. Non, viens. Ma frère, ma soeur. Dis-le encore. Co. Certainement. Là-va. Cela arrivera. En moi, elle a changé. La chose va changer. Co. Certainement. Co. Certainement. Co. Certainement. Co. Cela arrive. Alléluia! Alléluia! Praise the Lord! Alléluia! Praise the Lord! Alléluia! L'an 2008! L'an 2008! Comme on a un gaga gaga! Go! Alléluia! Amen! Praise the Lord! Alléluia! Elle est là, car! Envio, action les actions vont travailler. Mes lignes seront intactes. Et toute mes lignes sera intacte. Les synapses vont travailler. Elles seront Les neurotransmetteurs vont travailler avec force. Mon frère, ma soeur. Ces choses vont arriver. Yo. Yo. Hey. So, n'ayez pas mal. Et une fois chez toi à la maison. Nous allons aux cuisines. Écris cela. Co. Dans ta cuisine, certainement. Écris-le dans ton placard où tu ranges tes habits, assurément, certainement cela arrivera. Et sur tes chaussures déchirées, certainement. Écris-le sur ton atelier, certainement. Écris-le sur ton mari. Écris-le sur tes pas, certainement. Frères et sœurs, ce n'est pas du tout simple. Yaro, Jairus, ne crains point. Crois seulement. Crois seulement. Oui. Crois seulement. Mon vieux.
Frères et sœurs, un homme qui a aussitôt est-ce que vous voulez pas et après lui avoir dit cela, Jésus quoi moi? Jésus regarda la personne. Ah ouais, nyalo. Et dit oui mais voici. Oh, il dit c'est toi. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu es broken. Et il fit le rapport. Et après moi. Et rentre à la maison. Oh, c'est là de. Et ta foi t'a sauvé. Un homme qui a Jésus y a le bon. Aussitôt Jésus se rendit dans la maison de Jairus. Jairus, me ben me gavon. Je dis ne crains pas. Pour ce coup. Crois seulement. Nous sommes au bonheur. Et tout ce qu'on t'a dit. Me gavon dit ça. Et ne crois pas cela. Nous sommes au bonheur. Et tout ce que quelqu'un t'a dit. Ne crois pas cela. Jamais nous savons que tout ce que le monde va te dire ne le crois pas. Nous savons que nous avons le nom de la parole. Crois cela. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Yaro Mijo. Jairus, allons-y. Et ils arrivent dans la maison. Les gens pleuraient. La femme. Les gens pleuraient. Et pourquoi est-ce que vous faites tant de bruit? Vous devez bien couler. L'enfant est mort. Vous devez bien couler. L'enfant est mort. Elle dit quel enfant qui est mort et aucune fille n'est mort et faites silence. Les gens disent quoi? Donc ce qu'on disait que Jésus c'est un fou, c'est vrai. Et cet enfant qui est mort que nous avons nous-mêmes lavé et mis en bière. Voici au passé comment on voit. C'est ton passé qu'ils ont vu. Tu veux dire quoi au présent? À partir d'aujourd'hui, on verra ton présent. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Mon passé est tout. Et ton passé est mort. Mon passé où le tina? C'est ton passé qu'on a lavé. Mon passé où dit? C'est ton passé qu'on a lavé. Tu veux dire au présent? À chaque jour. Ton présent sera vu. Yo. Oui. Yo. Oui. Ne nous mettons pas le watt. C'est ainsi que cela va arriver. Ne nous mettons pas le watt. C'est ainsi que cela va arriver. Ne nous mettons pas le watt. C'est arrivé. Ne nous mettons pas le watt. C'est arrivé. Praise the Lord. Alléluia. Aussitôt, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et il dit, arrêtez-vous ici. Frères et sœurs, tu dois être dans tous tes sens. Que tout le monde soit point témoin de ce que tu fais. Ne dis pas tout n'importe comment. Non. Est-ce que tu es fermé sur tes lèvres? Oui. Ne dis pas tout le monde. Jamais. Aussitôt. Et dit Pierre, Jacob, et Jacques, Pacle, Johannes, et Jean, vous venez avec moi. Et l'enfant est mort, son père. Amen. Ça fait combien de personnes? Yes, Jésus, Pacle, les parents, et les trois disciples, ils font sept. Yes. Six. Ils font six. Frères et sœurs. C'est quoi? Vision va. La vision est là. Hey, hey. Hey. Sensation va. La sensation est hey, là. Hey. Hey. Coordination va. La coordination hey, est là. Va. Hey. Mouvement va. Il y a le mouvement. Hey, va. Et il y a quoi encore? Va. Dans le ventre, et tout est prêt, et le ventre est fort maintenant. Le sixième, c'est quoi? Il a bien pissé, uriné. Oui. Quelque chose va arriver. Et Jésus entra dans le champ. Et il vit l'enfant. Et il l'observa bien. On a dit, toi tu es mort, non, tu n'es pas mort. Talita Koumi. Quelle fille c'est ça? Lève-toi. On se leva. Praise the Lord. Alléluia. Ce matin, je te le dis. Talita Koumi. Talita Koumi. Lève-toi. Talita Koumi. Lève-toi. Talita Koumi. Lève-toi. Talita Koumi. Talita Koumi. Talita Koumi. Talita Koumi. Talita Koumi. Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer. Premier dimanche. Le premier dimanche. Le 2008. L'an 2008. Ce message nous a poursuivi. Nous n'avons pas encore fini. Et cela retrouve encore la nouvelle année. Oui. 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 Il y a des choses importantes devant nous. Ne les rate pas. Alors, rendez-vous spécial. Alors, ce sera un rendez-vous spécial. Et pour tous les dimanches. Parce que de grandes choses vont arriver. Frères et sœurs, ne crains pas. Crois seulement. Sais-tu? Satan est en train de lui dire. Toi, tu penses que tu fais partie de ce qu'on dit? Mais tu ne fais pas partie de cela. Et il s'agit des autres. Mais toi, non. Satan, tais-toi et sors de lui. Le Jésus Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous, et pourquoi?
est là-bas là. Parce que Amadeli, il y a quelqu'un. Autre serait tanévo. Et on l'a déjà chargé d'une marmite. Parce que dans leur famille, chaque année, ils se servent d'un membre de la famille pour sacrifier. Maintenant, on a jeté le sort, on dit que c'est à ton tour maintenant. Et la divination ne marchera plus. La Bible dit. L'enchantement n'aura point de faire contre toi. Et la divination non plus. Donnez-moi femme la robe. Et la marmite est saccagée sur ta tête. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Attends, ma devoir quoi, quelqu'un est venu ici ce matin. Pendant la nuit, un démon est venu à lui, un bâton dans la main. Et lui disant, tu dois savoir que c'est toi et moi. Nous allons offrir au 31 décembre. Et tu as dit, jamais tu ne vas pas s'éprendre. Et il t'a saisi par le cou. C'est pourquoi tu as mal au cou avant de venir. Si en parlant présentement, Jésus a déjà touché à ton cou. Et j'aimerais te faire savoir que ce démon a été renvoyé dans les abîmes. Parce que la parole de Dieu dit que quiconque vous touche, il le touche à la prunelle de Dieu. Alléluia. Alléluia! Amen! 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 Beaucoup de choses changent dans la vie de plusieurs. Les choses changent déjà dans la vie de plusieurs. Cela veut dire que Jésus est en train de dire, ne crains pas, crois seulement. Même si la chose est morte, elle va ressusciter. Mais si ta vie est détruite, elle sera bonne désormais. Qu'est-ce qui est entré dans ta vie? La sainteté entrera dans ta vie désormais. Et tout ce que Satan a fait venir, on peut opposer à Gédem au vivant. Son opposé va entrer dans ta vie tout de suite. Le Yesu encore là. Au nom de Jésus. Tu ne seras plus comme hier. Et tu vas y voir. Hier est déjà passé. Et tu vas y voir. Si hier est déjà passé. Et mon bon Dieu s'est levé. Une nouvelle chose. Les Yasoupes en commun. Au nom de Jésus. Les Yasoupes en commun. Au nom de Jésus. Les Yasoupes en commun. Au nom de Jésus. Nous sommes comme la madouba pour Douméa. Et c'est parti ici là. Et ferme. Vous voulez tout l'amour qui me tient. Les Yasoupes en commun. Au nom de Jésus. Aujourd'hui le jour. Aujourd'hui le moment. Aujourd'hui le temps. Ah oui, on ferme le ventre. Yes, le fer est le satana. Pour Satan. Je sors de sa vie. Mets-toi debout. Nous allons prier. Nous allons prier ainsi dans cette foi. Ne crains pas, crois seulement. 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 Elle va me voir. Ma ouvre dodo. Elle va me voir. Oh, elle va me voir. Eva, me bo, ma open be dodo. Eva, amen. Eva, me bo, oh, Eva, me bo, ma open be dodo. Eva, amen. Hallelujah. Eva, me, oh, Eva, me, ma open be dodo. Eva, me bo. Yeah, Eva, me, oh, Eva, me, my open bedodo, Eva, me, yeah, Eva, me, yeah, Eva, me, my open bedodo, Eva, me, hallelujah, Eva, me, yeah, Eva, me, my open bedodo. Yeah. Oh, yeah. Amen. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Amen. Hallelujah. Yeah. Amen. Ma open bedodo, Eva mevo, ah, yeah. Ma open bedodo, Eva, amen, oh, yeah.
Eva, amen. Alléluia, Eva. Yeah, Eva. Ma ouvain bédodo. Yeah. Oh. Ma ouvain bédodo. Eva, amen. Yeah. Oh. Ma ouvain bédodo. Eva, amen. Oh yes. Oh yes. Eva me la. Cela est réalisé. Eva me la. C'est accompli. Eva me godo godo. C'est accompli certainement. Eva me coco coco. C'est accompli certainement. Eva godo godo. C'est accompli assurément. Wagbe toi là. Ta vie a changé. Oh non non, mais toi là. Et ta situation a changé. Le miracle est arrivé dans ta vie. Le miracle est arrivé dans ta vie. Yes, my Lord. Oh my God. Arrondi. Mi wo bi poko krono so na me de ma me ba ahode mi wo bi poko krono so na me de ma me ba hallelujah mo beje hallelujah mo beje hallelujah Hallelujah, mo bede ma hodi. Hallelujah, mo bede ya. Hosanna, mo bede ya. Hallelujah, hallelujah, mo bede ma hodi. Musa gandele to kokwe la dia nema chona dinyo o musa gandele to kokwe la dia nema chona abi o hallelujah mi ba kwe o siana Mi bakwe, hallelujah, hallelujah, oh, mi ba, oh, yeah, oh, say, hallelujah, hallelujah, yeah, mi bakwe, Hallelujah, hallelujah, Miba, oh Siana, Miba Kwe, hallelujah, oh, aye, Miba, oh, Mika Jihé, qu'est-ce que vous avez dit? Les chansons avec une meilleure compréhension. Dele. A toko kwe la jia nema chona be a jila koseme musaka dele toko kwe la jila nema chona be yon oh hallelujah yeah mi bakwe hallelujah. Hallelujah. Oh,
qui blow. Alléluia. Mbakwe. Oh, alléluia. Quoi on connoit. Reçois ton miracle. Quoi nous Seigneur toi. Reçois ce qui est à toi. Oh. Alléluia. Oh. Yeah. Oh. 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 Oh, glory, alléluia. L'esprit de Ménégite est sorti de toi-même. Quelqu'un venu ici. Sinusite. Et souffrant de sinusite. Et il a perdu sang par les dents. Voici aujourd'hui. Tu es guéri. On ne trouvera plus cette maladie dans ta vie. Tout de suite. Et Dieu a fendu la tête de quelqu'un. Tu meurs. Les tumeurs. Et c'est où de ta menace. Et cette protubérante de tumeurs. Elle nous peut les mutiler. Et qui te détruit. Oh oui, parce que c'est là. On l'a déraciné tout de suite. Et tout le monde. Il est sorti de ta voix, mais c'est ma tête. Et ce mot de tête terrible est sorti à même. Voilà bouton de poudre à ma demi. Voici quelqu'un sur lui. Oh non. Toi femme. Voilà bouton maille à écoute caca caca là. Tous les produits. Et ta peau est totalement gâtée. Et ta va dire que nous avons. Et c'est un venin de serpent qui est là. Tout de suite. Il est sorti de toi. Reçois ta guérison. Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Jésus. Au nom de Jésus. Et quelque chose marche dans le monde. Et c'est la voix de côté à côté. Et la puissance est en toi. La puissance est en toi. Et est attaqué. De lui. Le Jésus Christ au nom de Jésus Christ. C'est aujourd'hui le jour. Et Dieu s'est levé pour ses enfants. Et ses enfants sont guéris. Et Dieu se lève. Ses ennemis sont dispersés. Voici aucune puissance ne surpasse celle de l'Éternel. Il s'est levé pour toi. Afin que tu aies la vie éternelle. Pour que ton cœur se tranquillise à partir d'aujourd'hui. Et des joies rentreront dans ton cœur. Parce que hier c'est passé. Le passé c'est du passé. C'est un nouveau jour. Et entrer dans ta vie. Il est entré dans ta vie. Poda. Voici. Et Dieu me demande de te dire. Et qu'il va restaurer tout dans ta vie. Et tu verras. Que la puissance de Dieu a opéré. Parce que tout est totalement détruit. Et tu es revenu à zéro. À compter d'aujourd'hui. Le zéro que tu es. Jésus s'est tenu à ton côté. Tu es devenu 10 en même temps. Au nom de Jésus. Il va restaurer toutes choses. La bénédiction va déborder sur ta vie. Tu le verras de tes yeux. Ce que l'Éternel a fait dans ta vie. Toute espèce de maladie est calcinée dans la vie de chaque enfant de Dieu. C'est aujourd'hui le jour. C'est aujourd'hui le jour de bénédiction. C'est aujourd'hui le jour de miracle. Un changement intervenu. Ne crains pas. Crois seulement. C'est accompli ainsi pour toi. Je vais prier maintenant. Que chacun lève ses mains. Tu es l'omnipotent. C'est toi qui es l'omniprésent. Tu es le grand cerveau. C'est toi le merveilleux. Et conseiller. Dieu vaillant. Père éternel, prince de paix, c'est pourquoi tu as la victoire sur tes épaules. Et cette victoire est entrée aujourd'hui dans la vie des enfants de Dieu. Ce miracle est entré dans la vie des enfants de Dieu aujourd'hui. Au nom de Jésus, la mort est changée en vie. La malédiction est changée en bénédiction. La régression est changée en avancement. Les pleurs sont changés en joie, en rire.
L'enfoncement est devenu de l'élévation. Les ténèbres sont transformées en lumière. Et tu as Et tu t'es levé. Et tu t'es levé. Et tu t'es levé aujourd'hui. Est-ce que la puissance de la résurrection est entrée dans ta vie? Le Yesu Fankorame. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Mon Dieu, que Dieu te bénisse abondamment. Ta vie a totalement changé. Et tu vas entrer dans la nouvelle année. Et avec une nouvelle vie. Amen. Amen. Mon Dieu, que Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Tout comme nous l'avons entendu dans l'annonce. Demain. 31. Le 31. 20h, gagnez-moi tout quoi. À 20h précises, tout commence ici. Fais tout pour être à l'heure. Sinon, tu vas rester dans la rue. Mais nous n'allons plus bientôt rester dans la rue. Ah oui, praise the Lord. Alléluia. Et t'as gagné tout quoi. Alors déjà, à 8h. Tu es déjà ici. Et va dans une attitude de prière. C'est ne faites pas comme le font les gens du monde. Et faites dans le Saint-Esprit. S'il te plaît, est-ce que c'est clair? Et faites dans le Saint-Esprit. Faites comme un enfant de Dieu. Et qui attend quelque chose. Non point celui-là qui n'a pas d'espérance. Alors le Saint-Esprit sera avec toi. Ainsi, tout ce en quoi il voudrait t'entraîner. Et pour détruire ainsi ta mélite, la puissance de Dieu va t'en délivrer. Praise the Lord. Alléluia. Et sois heureusement dans la prière. Levons tous nos saintes mains. Akpe, akpe, akpe. Yes, akpe. Yes, akpe, nawo. Akpe, 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 yes, akpe, alléluia, dans ce nez, on a, mandakpe, nao, akpe, 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 yes, akpe, alléluia, dans ce nez, on a, mandakpe, Nao Akpe, 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 yes, Akpe. Maupongusa adidide wagbeji. La puissance de Dieu descendra sur ta vie. Akplo le fe nyalam. Il te conduira dans sa parole. Bena efe dudu na famele wagbema. Afin que ses plans se réalisent dans ta vie. Nous si annuie que Satan a filé au abîme. Tout ce que Satan a dérobé dans ta vie, l'Éternel t'a restitué cela désormais. Va dans cette puissance et tu auras la victoire certainement dans ta maison, dans ton service, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans ta ville. Et partout tu te trouves, la victoire est à toi toujours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. 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 Nobigne, mon frère, ma soeur, à toi la victoire, assurément. Amen. Amen.